Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idéal et soi-même. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser, une petite technique pour comment réaliser des petits motifs comme ceci sur votre tricot. Par exemple, ce petit cœur, ici, donc en gris sur un support jaune. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Et je vais vous montrer donc comment ça fonctionne. Donc pour cela, vous avez besoin donc d'une base de votre projet en fait, tricoter. Et donc là, c'est vraiment tricoter en jersey endroit. Donc de l'autre côté, bon, c'est ces petites bosses. Vous avez besoin donc d'un fil et d'une aiguille avec rochat bien sûr. Et avec une couleur bien sûr différente pour faire un contraste, voilà. Donc c'est plutôt simple à la base. Donc j'ai mon aiguille, je la pique déjà en bas d'un des V. Du bas vers le haut. Vous voyez un petit peu ce que ça donne de derrière. Donc on est entre deux petits traits comme ceci. Donc on la relève. Et maintenant, en fait, on va réaliser, donc on va aller au niveau de la forme de ces V. Donc en fait, je vais passer entre les deux mailles de ce V au-dessus. Au-dessus de celui dans lequel on a piqué au niveau de la pointe. Donc faut pas trop serrer. Hein. Voilà. On laisse quelque chose d'assez. Voilà. Un fil pas trop tendu, assez lâche. Et maintenant je repique sur la dernière pointe du V. Donc de notre maille. Exactement au même endroit où là je suis arrivée avec mon aiguille. Donc on stabilise, voilà. Vraiment le but c'est de bien recouvrir cette maille à chaque fois. Donc là je l'ai fait tricoter, sauf que je n'ai pas tricoté, j'ai fait de la couture au final. Et voilà, donc ça peut être plus simple si vous voulez comme méthode pour avoir un pull ou un bonnet par exemple avec des petits motifs d'une autre couleur comme ceci. Donc à nouveau, hein, je pique dans une autre pointe d'un de nos V, de nos mailles. Là, on peut raccourcir pour avoir moins de fil dans les pattes. Voilà, donc j'ai repiqué au niveau d'une pointe. Je passe dans la maille d'au-dessus, donc entre les deux brins de la maille. Donc évitez de trop serrer, hein, de trop tendre votre fil, ça c'est vraiment un conseil de ma part. Et voilà, donc, vous avez fait votre deuxième petit motif de jersey endroit. Et à nouveau, maintenant on attaque le V à côté, donc le motif, et on continue comme je vous ai montré. Et ensuite dans la pointe, on repique dans la pointe. Ça fonctionne aussi de l'autre sens, hein. Donc si regardez, je vais vous montrer, si vous voulez de la droite vers la gauche, c'est aussi possible. Et on repointe. Et là, j'ai déjà travaillé donc deux rangs.
Alors voilà, le petit cœur est terminé. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc je vous montre de l'autre côté ce que ça donne. Vous avez vu, c'est assez discret, hein. On voit juste ces petites bosses, en fait, comme en fait très similaire au motif de jersey en vert. Voilà. Et c'est, vous avez vu, c'est très discret, très sympa à faire. Et ça vous évite, ça vous simplifie la tâche si vous voulez juste faire un petit motif sur votre bonnet, par exemple. Donc un petit cœur ici. Voilà. Donc j'espère que cette petite astuce, en tout cas, vous aidera, vous sera utile. Et que ben, ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous ne manquerez plus aucune vidéo. Et pour cela, vous cliquez aussi sur la petite cloche. Et on se dit à très vite. Salut !